Eh bien, salut tout le monde, c'est Mentalis. Et aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons pour le 7ème épisode de nos aventures sur Star Fox Adventure. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et du coup, on va peut-être parler avec ce monsieur avant. Non. Non, il veut pas parler, tiens. Je pensais qu'on pourrait lui parler avant d'essayer de lui monter sur le dos, mais apparemment, ils sont. Bah, ils s'en moquent, en fait. Ils s'en moquent complet. Voilà. Ok. Heureusement qu'elles sont déjà déterrées, hein. Voilà. Donc il faut marcher de racine en racine. Tricky, au revoir. C'était cool de t'avoir vu. Au moins on l'a aperçu, hein, pour cet épisode. RT, si toi aussi tu trouves que Tricky il est un peu absent pour cette vidéo. Allez. Bon, ça devrait être là-bas. J'y dis pas ça parce qu'il y a deux grosses torches allumées. Hein. Aucun rapport vraiment. Bon, bah je pense qu'on est arrivé. Enfin, d'après la map, on est arrivé. Ouais, on va casser ça. What the fuck, pourquoi on voit à travers? Allez. Merci, Mani. Alors, du coup, on a de la vie, on manque un peu de magie, vu que ça repousse, on peut casser, voilà. Après, pour la vie, bon, bah écoutez, on peut faire ça, hein. Pour oui, si, la vie, enfin, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin pour le mort. Ouais, ok, hein. Moi, j'ai le jeu, il a lagué exprès. Voilà. Alors, du coup... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui! Une phase en speeder! Avec une super musique, youpi! Oh, c'est cool! Ah bah ça, on reconnaît! Dans l'épisode précédent, c'est là où il y avait grosse bouboule qui allait à 200 km/h. Mais on fait la course là contre quelqu'un? Ou... Comment ça se passe en fait? Ok, on a récupéré des bouboules d'énergie. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Bah, comme vous le savez, donc j'enregistre les épisodes un petit peu à la chaîne là. D'accord. What the fuck? D'accord, super. Ah! Ah, ta mère! Ah! Oui! Oui! Ok. Alors, je sais que c'est un petit peu abusé de jouer cette technique pour me battre. C'est quoi? Vous avez raison. Voilà. Alors. Du coup. Voilà. On essaie de faire des combats un peu variés. Mais c'est vrai que niveau rapidité des combats, bon bah voilà. Ok, alors là nous faudra Tricky. Très certainement. Y aller, pas ça repousse. D'ailleurs, je crois qu'on entend Tricky gueuler derrière. C'est bon, je suis là, tu peux arrêter de marcher. Ok, il s'en fout.
Alors, il y a des glub-glub, sauf que les glub-glub, on s'en moque. YOLO! Je pense qu'il faut suivre les cailloux là. D'accord, on peut pas. Alors, ça aussi que j'en ai pas parlé, mais. On peut se rendre. Voilà. Invincible de manière un peu pétée avec le bâton. Et je peux pas sauter. Ok, alors tout ça donc ne sert à rien pour le moment. Donc on va repartir. Quoique, attendez, je dis ça, mais. Il doit y avoir un moyen pour éteindre ce feu. J'ai pas dû faire gaffe, c'est tout. Il doit y avoir un interrupteur ou un truc du genre. Voilà, bah tiens, qu'est-ce que je disais. Ah, mais. Voilà. Alors, je parie sur une clé. Bon, voilà, une clé. Une clé de quoi, du coup? Prison Sharp Claw, ok, bah écoutez, oui. Ah ah! Eh, le jeu! Ah ah! Quoi? Ah bah il m'a quand même roulé dessus, tiens. Il m'a fait mal en plus. Bon, arrêtez de faire les malins. Vous aussi, vous seriez fait rouler dessus. Alors, du coup. On va aller par là. On va essayer de pas trop cramer. Je peux pas t'ouvrir toi. Par contre toi je peux t'ouvrir. D'ailleurs c'est là. Là. Là c'est une clé d'argent. Ah bah tiens Tricky. Ah bah t'as été capturé. Je suis sûr que je t'ai manqué. Tiens, tu veux jouer à la baballe? Vas-y, va jouer à la baballe. Oh, tu veux pas jouer? Allez, viens. Voilà. Oh, j'ai chaud. Ça, c'était chaud. Allez. Sois mignon, brûle-moi ça. Tricky. Ok. Heureusement qu'il maîtrise la technique de la téléportation instantanée parce que sinon. Ce serait vraiment dur. Hein. Oui! Encore une clé de prison. Donc, du coup, je présume que c'est l'autre cellule qu'on n'a pas pu ouvrir tout à l'heure. Je voulais essayer, bon bah ça passe au moins, on le sait. Alors. Clé en or. Hey Mani, file-moi un coup de main. Who are you? I am Fox, and this is the Crown Prince of the Earthwalkers. We've been sent by the Snowhorn Gatekeeper to find the Spellstone. Do you know where it's hidden? My name is Belina Tay. The gatekeeper is my father. Did he send you to rescue me? I'm sorry, Belina, but he feels you have betrayed the beliefs of the gatekeepers. We were only sent to find the spellstone. The old fool. I had to save the tribe. If it wasn't for my father being a gatekeeper, none of this would have happened in the first place. Thank you.
Belina! Are you there? Listen carefully! Find a way to the bottom of the mine! I'll meet you there! Bon, bah on peut dire qu'elle manque pas de caractère, la petite, et c'est moi ou un mètre sur la droite ou sur la gauche, et elle se serait juste bouffée un mur qu'elle aurait jamais pu passer, elle serait juste pété les défenses en fait. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais enfin, au moins elle a eu de la chance. Alors je sais, il est en train de mourir de faim, le pauvre petit, bah tant pis pour lui. Ça lui apprendra à avoir un mètre aussi indigne que moi. Du coup. Wouah, mec, qu'est-ce que tu fous là? YOLO! Alors. Voilà. Non. C'est juste pour le plaisir de te tuer. Hein. D'accord. Bon alors, il faut retourner d'abord là-bas. Non. Ok, faut que j'aille là-bas, mais... Je vois pas comment en fait. Pas sans prendre de dégâts. Bah... Attends. Faudrait qu'il me fasse plaisir de sauter déjà. D'accord, il veut pas. Donc on va monter comme ça. Allô, Fox. Ouh, c'est que ça commence à me saouler les hitbox un peu foireuses. Ok, d'accord, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je me doutais que tu serais de retour, toi. Oui, je sais ta faim. C'est très bien. C'est quoi? Allez, YOLO! Oh là là. Ok. Y a pas de la vie un peu plus haut? J'avoue que là je comprends pas très bien ce qu'il faut que je fasse. Alors je sais que c'est derrière, vous inquiétez pas, vous énervez pas. C'est juste que j'aimerais bien voir s'il y a pas de la vie en fait que j'aurais laissé ici. Non, y a pas de vie. Et dans la cellule de Tricky. Non, j'ai rien laissé. Ok. Fallait aller voir, écoutez. Du coup, je vois pas du tout comment je vais m'en sortir là. Allez, un truc que j'ai dû louper. Je ne saurais dire où. En fait, je dirais que... D'accord, ok. Non mais please. Non mais please. Fox. Si tu mets pas du tien aussi. J'en ai raté un. Ah oui, d'accord.
Ok. 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 Peut-être allons-nous enfin nous taper le premier game over. Bon, j'avoue, j'ai pas été très tendre avec celui-là. Ok, alors au milieu ça rentre très vite. Voilà. Bon. Il nous reste plus beaucoup de marge d'erreur en fait. C'est pour ça que là je vais tout doucement. Voilà. Voilà. On dépose ça en bas. Voilà, je voulais pas tomber, c'est pour ça que je vais rentrer tout doucement sur la fin. Voilà. Et du coup, maintenant... What? Non mais... Putain. Allez, on descend doucement. Donne-moi de la vie. Il veut pas. Toi, ça. Ah, je vais vous montrer un truc que je vous ai pas encore montré. Parce que Tricky, il est mignon. Bon, vous allez dire, en combat, il fait un peu de la merde quand même. Hein. Eh ben non, Tricky peut aussi être utile en combat. Des fois. Là, en l'occurrence, ça a complètement foiré. Allez, hop. Fox, I lost you in the blizzard. Oui. Some sharp claws found me and threw me in that stinky sack. Ouais, mais en fait, je m'en foutais. Je voulais pas te parler. Voilà. Enfin, en vrai, je voulais pas le savoir. Sans problème. Vraiment pété. Voilà. Oui, fallait jouer autrement, je sais, mais écoutez, laissez-moi m'amuser. Moi, j'amuse en testant des trucs un peu bizarres. Polina, you made it. It hasn't been easy. Now where is that spellstone? My father didn't say exactly where it was, but he knew that General Scales had hidden it somewhere close. Look carefully. I'm sure you and your little friend can find it before they do. Time is short. You must find the spellstone. Ok. On va essayer là. Très rigolo, je trouve. Tu m'empêches de récupérer des champignons. Mais tu me casses les noix.
Allez. Alors, voyons ça. Oh ! Un champi qui dort. Reviens là ! Voilà. Alors, voyons ça. Où est-ce qu'il faut aller ? Où est-ce qu'on peut aller déjà ? Bah, ici. Ça m'a l'air très convivial. Il y a des tonneaux qui tombent du ciel. Enfin, des explosifs plutôt. Enfin, des tonneaux d'explosifs. Oh là là ! Oh, je m'en souviens. Oh le con. Oh là 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 là. Oh ça va commencer. Oh là là, la partie chiante du jeu commence. Aïe. Ouais bon ok, faut pas tenter d'aller trop vite. Faut aussi regarder où je vais. Ok. Voilà. Du coup, j'ai ça. Mais je sais pas du tout où l'amener. Ici. Voilà. Alors ça, on n'a pas encore vu. Je vais vous expliquer. En gros, il s'agit d'un système de transport de barils. Ok, je suis en train de me faire mitrailler, c'est génial. Donc en gros, voilà, là vous voyez qu'il y a l'aimant. Ah voilà, et l'accélérateur est là. Et du coup, ça descend. Ça le chope et ça le remonte. Attends, j'ai intérêt à faire très attention. Voilà. Bam. Voilà. Donc on va pouvoir avancer. Nice. Et donc faut que je redescende à l'étage où il y avait des barils volants. Juste pour être full vie. Parce que je remonterai pas jusque là. Please. Laissez-moi passer, merci. Non, ah, je suis en train de me dire, est-ce que je tente le raccourci? Il est beau en plus. Mais ouais, si je passe, il est beau, mais si je me foire, bah je dois tourmenter. Et comment vous dire à quel point mon niveau de flemme est élevé là actuellement? Alors. Je présume que aller en bas ne sert à rien, on va quand même aller voir. Bah si, en fait, ça servait à un truc. D'accord, tout ça pour ça. Et du coup, ça me donne l'accès au canon. À partir duquel, je vais pouvoir faire des trucs de ouf. Et après, c'est juste un mur noir, je présume, voilà, et un mur invisible. Allez. Zéro difficulté dans ce jeu. Alors, je sais que je pourrais tout simplement passer sur le côté et tout, mais je trouve ça tellement plus stylé de mettre le bouclier. Enfin. C'est étonnant qu'ils font n'importe quoi aussi. Allez. Du coup, cette fois-ci, on va prendre le deuxième passage, celui qui nous permet d'aller ailleurs. Ailleurs, à un endroit où on n'est pas encore allé. La précision. Et cet ailleurs nous conduit à un canon. Qui nous mitraille depuis tout à l'heure d'ailleurs. Alors c'est toi qui me tire dessus depuis tout à l'heure.
Bam! Bon, du coup, on va tirer là. Ok. Faudra m'expliquer le rapport entre une planche en bois sur une tour et ça, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre, il est juste là. Le jeu me troll. C'est une blague. Quoi? Quoi? What is the fuck? Oh la vache, il était résistant celui-là. Ah, je peux pas, ok. Bon. Du coup, là, je vais voter pour la descente rapide. Non mais... Je veux sauter. Et puis YOLO. Avec une chute pareille, il prend que ça, quoi. Enfin, c'est pas grave. Oh, un téléporteur. Puis plein de trucs pour se restaurer la vie, c'est rigolo. Bon bah écoutez les amis, c'est là-dessus que nous allons nous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde.